par enchantement. Et comme je le sens, je les chante à mon entendement. Je vois de là dans l'air, je sens de là dans l'atmosphère. Mes cheveux sont semblables à des antennes. Et je capte les idées dans l'atmosphère. Je les fixe sur mon papier, le tableau, à travers mon stylo et mon pinceau. Je vois de là dans l'air et je sens de là dans l'atmosphère. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Frère de sang, frère d'âme, frère de jour et de naissance, les jumeaux, je les trouve passionnants. Au moins deux êtres nés de deux spermatozoïdes au moins, ayant fécondé un seul ovule pour donner naissance à au moins deux visages identiques. Bon, on dirait de la polyandrie. Les jumeaux, je les trouve hallucinants. Parfois, on a la même manière de parler, de manger, de s'habiller et même de chier. On dirait des extraterrestres. Vous savez, tout près dans la ville de Ibo-Ora, le taux de naissance de jumeaux est 4 fois le taux mondial de naissance de jumeaux. Paraît-il que les habitants consomment plus du gombo. Alors, si vous voulez avoir des jumeaux, consommez du gombo. Yeah! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente Rovi. Sur cette toile, vous pouvez voir deux visages qui sont presque identiques. À la seule différence qu'ici, il n'y a pas les cheveux, mais qu'ici, qu'il y a des cheveux. Cette toile, vous verrez en fond un baobab qui est dessiné et qui sort en 3D. Avec ici, le drapeau d'un royaume. Ici, vous voyez Alpha et ici, vous voyez Omega. Cette toile présente l'histoire d'une dynastie du royaume de Tancrome. L'homme à côté de qui est symbolisé le signe Alpha représente le roi Akaba. La femme représente la reine Rambi. Le roi Akaba et la reine Rambi sont en effet des jumeaux, tous descendants du roi Wipaja. Le drapeau que vous voyez ici, c'est le drapeau du royaume de Tancrome, institué par le roi Gezo et qui a été utilisé par ce royaume de l'an 1818 à 1858. Le roi Akaba a régné de l'an 1685 à 1708. Ce fut un roi sanguinaire qui avait la manie de trancher la tête de ses ennemis. Le roi Akaba fut le 4e roi du royaume de Tancrome. Il avait bâti son royaume dans le ventre de Don, d'où le nom Tancrome. Alors le roi Akaba a eu à mener beaucoup de luttes. Et à la veille d'une de ces batailles, il s'est avéré que le roi mourut de la variole. La reine Rangwe, comme elle lui ressemblait beaucoup, fut présentée aux guerriers comme le roi Akaba. Alors les notables du royaume
ne pensaient donc pas que le roi était mort. Elle fut déguisée comme le roi Akaba exactement. Elle a donc assuré les terribles et ils ont gagné la bataille. Ainsi, la reine Hongbe a pris le trône et a régné de 1708 à 1711. Alors, la seule reine du royaume. Ben voilà, je crois que je suis la reine de ce royaume, vous n'êtes pas d'accord ?